Et yo tout le monde, on se retrouve pour notre troisième vidéo donc sur cette fameuse série du stuff d'Osiris, donc ce fameux stuff jaune pétant. Je vous le rappelle, on a eu les infos sur Destiny DB, donc le visuel n'est pas forcément très efficace, mais ça nous permet d'avoir un premier point de vue sur ce qu'on pourrait avoir lors du tournoi d'Osiris. Donc je vous le rappelle également, deux types de stuff, le stuff de l'observatoire et le stuff de l'exil à chaque fois pour chaque personnage. Donc cette fois-ci, on termine avec la classe du titan et vous retrouvez le casque du titan, donc un visuel assez simple, assez épuré, pas très convaincu pour le coup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le torse est déjà bien plus joli avec cette espèce d'aileron qui part sur le côté. Donc là, on a le torse de l'observatoire, je vous montre le dos bien évidemment, et vous avez également le torse de l'exil, beaucoup plus compact, beaucoup plus épuré lui aussi, un peu comme le casque. On est vraiment sur du stuff de titan, hormis cette couleur jaune flashy, on est sur un stuff vraiment très compact, très simpliste. L'arrière est un peu plus joli, on dirait une sorte de jetpack. J'aime beaucoup l'arrière de ce deuxième torse. On continue avec les épaulières de titan, très sympa, avec les trois pics sur chaque côté et également au coude. Donc là, on a des gantelets assez sympathiques, les gantelets de l'observatoire. Et on continue avec les gantelets de l'exil, beaucoup plus compacts, beaucoup plus gros, qui correspondent vraiment pour le coup à la classe du titan. On finit avec les jambières, très simples, très efficaces. Celle-ci avec la petite matraque en mode police sur le côté, j'aime énormément. Ce sont les jambières de l'observatoire. Et celle-ci en mode beaucoup plus Robocop, encore une fois les jambières de l'exil, qui peuvent là encore vous faire un titan plus que costaud. Pour terminer avec les deux objets de classe, on a cette ceinture de l'observatoire. Comme je vous le disais, le petit soleil c'est l'observatoire et l'œil c'est Osiris, c'est l'exil. Donc cette ceinture qui est vraiment très jolie, très aux couleurs du tournoi d'Osiris, du procès d'Osiris que j'affectionne énormément. Voilà, on a fait le tour, un petit peu déçu pour les arcas, le stuff est pas très réaliste. Il l'est beaucoup plus pour les titans et pour les chasseurs, fort heureusement pour eux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment hâte de voir que tout ça se confirme avec l'arrivée de ce prochain tournoi d'Osiris. Donc il sera, je le rappelle, en mode PVP. On n'a pas de date de sortie précise, on pense que ça se fera soit un petit peu avant, soit pendant la sortie du DLC La Maison des Loups. Ce qui est sûr, c'est que si on a plus d'infos, on n'hésitera pas à les faire tourner. Je vous souhaite une très très belle journée, un bon lundi de Pâques et gros bisous tout le monde!